Bon matin, ben en fait, bon midi, un petit peu plus tard, c'est Dani. Une petite parlotte à matin, tranche de vie. J'ai un petit peu les yeux pochés, c'est parce que je m'ai couché tard, passé tout droit. On avait une sortie de fille, une de nos amies nous a invités chez elle, elle a un spa, fait que la levée du corps, ben on l'a laissé dormir le matin. Vous autres, est-ce que c'est quoi vous faites, faire des sorties, vous organiser avec des filles? Moi, c'est quoi que j'aime beaucoup faire, de se retrouver entre femmes, puis de jaser. Mais on a placoté, je vais vous dire, c'était vraiment le fun. Je me demandais, qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin? Faites-vous quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous fêtez? Faites-vous une petite attention? Comment ça se passe chez vous? J'étais vraiment curieuse. Hey Stéphane, il fait vraiment chaud, là. Vraiment chaud. Il rit là. La caméra doit passer. J'aime mieux pas parler. Tu sais qu'est-ce que je pense? Là, un matin, il dit non, c'est la ménopause. Ménopause. Non, ma fille, notre fille était ici hier. Elle disait, je suis avec Noémie, j'ai donc bien chaud. Elle dit, c'est la ménopause. Elle dit, non, pas, c'est pas la ménopause. Elle dit, c'est le syndrome de la bûche dans le poêle. C'est pas si pire que ça. Ouais. Mais elle dit, non, maman, bouge pas, freeze. Si tu bouges pas, tu vas être correct. En tout cas, ouf, il fait chaud. Il fait vraiment chaud. En plus, il fait beau, tu sais, il fait beau. Mais on n'est quand même pas dans le sud, à Cuba ou au Mexique. Là. Il y a de la neige. C'est sûr qu'il va pas cette année. Pas besoin, Stéphane, chauffe le poêle. Fait que... qu'est-ce que je voulais vous dire, donc? Puis profitez, je vais vous souhaiter une belle journée. Profitez de ce dimanche. Il fait vraiment beau, là, le soleil est fort, ça reflète sur la neige. Allez prendre la vitamine D du soleil. Puis nous autres, ben, c'est ça, on va se préparer aujourd'hui, le dimanche. Moi et Stéphane, c'est pas mal, hein, comme ça. Relax. Ouais, on relaxe, mais on a quand même des petites choses à faire, là. On va aller voir ce qui se passe dans les entreprises. Moi, je vais aller voir au gym, préparer l'entraînement pour demain. Faire le petit ménage, faire sûr que tout est prêt pour lundi. Après ça, on va faire un petit peu de cookage, on va préparer nos collations, c'est important, hein? Vous le savez, vous autres aussi, on prépare nos collations, on prépare ce qu'il faut pour la semaine pour être moins stressé, puis surtout plus organisé, puis pas arriver, puis manger des affaires que c'est pas ça qu'on devrait manger, puis après ça, oh my god, que j'ai fait, hein? Fait que yogourt grec, une petite compote, après ça, des noix qu'on va se préparer, puis tout ça. Fait que je vous souhaite une belle journée. J'ai hâte de voir ce que vous faites pour la Saint-Valentin. Puis si vous autres, dans vos maisons, vous avez le même syndrome que nous autres avec le poêle à bois, ben, envoyez-nous des petits messages. Peut-être je me sentirais moins toute seule. Non, joke, c'est une blague. Mais là-dessus, on partage, on aime et on commente. On se parle demain.